Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce parole. Vraiment, le monde a changé. Ce monde, c'est un monde terrible. Ce que nous allons entendre ici, ça va grave vous choquer. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'il est possible à un enfant d'épouser sa mère? Vraiment, ce monde a changé. Maintenant, je vous pose encore une autre question. Est-ce qu'il est possible à un frère d'épouser sa soeur, c'est-à-dire sa propre soeur de sang? Ah! En tout cas, ici, il y a un père qui trouve cela normal. Et pour lui, comme ce n'est pas interdit par la loi, lui, il autorise que sa fille et son fils soient en relation amoureuse. Quoi, sérieux? Venez me chercher. Vraiment. Si je ne vous fais pas écouter ça, il est possible que ce soit des histoires. Attendez. Attention aux ceintures. Écoutons ensemble. Que c'est illégal? Non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc. Il dit, vous voyez, c'est pas interdit que ma fille, mon fils et ma fille soient ensemble. C'est pas illégal. Écoutez encore. Écoutez bien. Que c'est illégal? Non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, chef des rageux. Que ma fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal? Non, pas du tout. C'est pas illégal. Et il redit encore. Il dit, c'est pas illégal que sa fille et son fils soient ensemble. Genre, c'est pas interdit par la loi, quoi. D'accord. Que c'est illégal? Non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, chef des rageux. Que ma fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal? Non, pas du tout. C'est pas illégal. Il dit, il trouve que ce n'est pas illégal que sa fille et son fils soient ensemble. Vraiment, pour lui, il n'y a pas de problème. Et puis la loi n'est pas contre ça. Qu'en pensez-vous, les frères et sœurs? Qu'en pensez-vous, leur écart? Cette vidéo est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Ce message est en train de faire le tour du monde. Et il y a des likes. Les gens soutiennent ça. Les gens applaudissent cela. Les gens sont d'accord avec ça. Oh mon Dieu. C'est genre un père qu'elle a regardé, le père qu'elle a là-bas, qui accepte que son fils et sa fille soient ensemble. Et pour lui, ce n'est pas illégal. Pour lui, ce n'est pas illégal. Pour lui, la loi n'est pas comme ça, donc. Voilà. Personne n'a le droit d'en parler. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Ah! Quand vous voulez parler, les gens disent, oh, ne jugez pas les gens, ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens, ne jugez pas les gens. Les gens sont des problèmes, hein? Alors, beaucoup de femmes dans le pays, là. Ton fils n'a pas vu femme. C'est la seule que lui, il a vu. Sa soeur aussi, alors beaucoup de garçons dans le pays là, mon monsieur là, elle n'a pas vu, hein. C'est son frère qui l'a vu. Ça là, est-ce qu'on doit parler dedans encore? Ça là, qu'est-ce que vous voulez que nous disions encore? Et il dit que comme la loi n'interdit pas cela, hein, donc personne ne doit parler ici.
Laissez-les vivre, laissez-les vivre leur vie. Tant que les deux sont heureux, ça va. Vous êtes des malades! Vous êtes des fous! Qu'est-ce qui n'est pas à vous? Allez vous faire soigner! Vous avez besoin d'aller vous faire soigner! Qu'est-ce qui n'est pas à vous? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas de la blague. Et il est sérieux dans ça, quand il parle, il est sérieux. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de vouloir vous? Bon, écoutons encore. Que c'est illégal, non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, chèque les rageux. Que ma fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal, non, pas du tout. C'est pas illégal. Que c'est illégal, non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, chèque les rageux. Que ma fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal, non, pas du tout. C'est pas illégal. C'est pas illégal. Vraiment, c'est pas étonnant que Dieu ait regretté d'avoir créé l'être humain. C'est vraiment pas étonnant. Parfois, je me demande comment on arrive à faire certaines choses. Parfois, je m'arrive comment on arrive à faire certaines choses. Parfois, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, j'ai du mal à comprendre. Le vagin de la femme est là pour que l'homme puisse entrer là-dedans. Mais les humains disent non. Ce n'est pas la voie. Il y a une autre voie, là où le déchet sort, c'est ça qui est bon. Hein? Parfois, je me dis, tiens, attends, comment les gens arrivent à faire ça? Comment les gens arrivent-ils à faire ça? Je ne comprends pas. À un moment donné, j'ai dit, ah, ok. Je comprends. Ces gens-là, ils ne sont pas bien dans les têtes. En fait, ils sont possédés. Ouais, ils sont possédés. Si vous voulez posséder, hein, restez là chez vous. Restez là chez vous, ne venez pas me dire ici. Qu'est-ce que vous parlez de vous? Hein? Hello? Hi? Hein? Quel est le problème? Le monde s'en va là. Ça devient grave. Et tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils se sentent heureux, c'est qu'ils se sentent à l'aise. Un homme devient une femme devient un homme. Et quand tu parles, on dit, oh non, faut pas parler. Faut les laisser avec leur liberté. Si tu parles, c'est comme si tu ne veux pas que ces gens-là soient libres. Tu es l'ennemi de leur épanouissement. Tu es un danger pour eux. Tu es un danger pour leur survie. Hey, tu essaies de vous dire que c'est mauvais. Dieu même dit que c'est mauvais. Et toi, tu dis quoi? Hein? Oh? Hi? Ha? Tu vas vraiment punir beaucoup de personnes. En tout cas, Dieu, tu as du boulot. Tu as vraiment du travail. Dis-moi ce que vous pensez, frère et soeur, parce que moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça.